C'est toujours un plaisir pour nous informer aux amis téléspectateurs. Gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans la cinquième et dernière sortie, Journal Mitan Journée, sur Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons démarré avec une note. Autorité dans le gouvernement démenti. Rime Kapsikile qui voulait faire quoi? Prix gaz la ta monté. Pas gain rien pour eux avec la vérité. Gouvernement des populations arrêté tête froid. L'autre dossier dans un tweet, président de la République, là, Jovenel Moïse, exprimait satisfaction après rencontre avec magistrat zone métropolitaine. Chef l'État a précisé dans un tweet ça, il y a une pile proposition qui fait dans le cadre contre ça. Toujours selon le tweet là, président Jovenel Moïse dit, il prend note sur tout ça qui dit dans l'échange. L'autre information, Fédération nationale magistrat haïtien FENAM, pas d'accord avec Zach Briganday. Dans une note, yo mette dehors, même FENAM dit, yo solidaire avec victime yo, et puis souhaite une justice qui rende à yo. Esaïe Aurelius a présenté yon contendi de note ça. Dans notre ça, Fédération dit le condamné, Zach violence, pillage, ak vol, mouvement tension 6 ak 7 GIA te la cause. Yon série Zach crasé brisé d'après FENAM qui enregistré dans différents coins zone métropolitaine nan, et puis qui wè, magasin, l'hôtel, la banque, ak maquette pillé, et puis passé en bas flamme. Tant pour divers autres groupes organisés dans le pays, la Fédération nationale magistrat haïtien, yo kwè, situation sa pral lagé, plus moun nan chômage, et puis pral la cause, gros état dans l'économie pays. Puis devant, FENAM rete quoi, nous avons une décision qui prend bon côté autorité qui l'a pour ça, pour éviter situation ça répéter dans le travail, pour faciliter bien-être la population, hein? Et puis mettre moyens pour permettre citoyens à bien rejoindre la sécurité. Fédération nationale magistrat haïtien souhaite gagner un nouveau gouvernement qui est capable de rapprocher le plus bon côté collectivité à, pendant le rappeler l'importance dans le développement local. Là. Pendant le plaidé pour autonomie mairie, FENAM souhaite yon chita parler en différents secteurs de la vie nationale là, et puis renouveler l'engagement pour travailler ensemble avec bon côté population. Sénateur Niplan Denis Kado, qui c'est tout président plateforme politique Bouclier, dit le regret de Zach violence qui était gain week-end passé après gouvernement te fin augmenté prix gaz là. Selon responsable Bouclier, a, pour population en reprendre confiance dans l'exécutif là, faut gain changement gouvernement. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro, Fednia Confident avec Moïse Ulbrich. Par rapport à l'événement qui est passé le week-end dernier, vu que la population lui-même lui réagit sous question prix et sanction à pop, nous dit que lui de bon ton pour que le Premier ministre ainsi que le gouvernement libère le président pour permettre que il y ait de l'autre négociation qui fait pour monter une nouvelle équipe qui est capable de prendre le destin pays. Amen. Nous parlons avec le président, nous parlons de position, nous connaissons position. Nous estimons que nous faisons travail par nous. Rete lui-même en tant que premier mandataire nation qui est capable de choisir entre sa nouvelle et sa lui-même livrée et responsabilité lui-même bien combien à lui. Il y a deux camarades qui t'ont souhaité que nous aller vers interpellation Premier ministre. Il y a un groupe qui est d'accord, mais il y a un autre groupe tout qui dit que, étant donné que la Chambre députée a lui-même été saisie sur la question, puisque la séance là en continuation, est-ce que pas y a un petit problème du point de vue constitutionnel? Nous avons concerté, nous avons gardé ensemble pour nous. Si pour aller vers interpellation ou bien est-ce que nous avons gardé nous capables de faire l'autre exercice beaucoup plus intéressant, capable de conduire vers demande auprès du Premier ministre pour que lui-même lui décide quitter le gouvernement. Merci Fednel ak Moïse. D'après économiste Eddy Labossière, conséquence crasé brisé week-end passé a pralgen en pile impact négatif sur recette yo. Eddy Labossière parle sous quantité moun qui vin trouver yo dans chômage à cause plusieurs business ak entreprise qui ferme. Nous invitons suivre un bout dans déclaration dans micro Darlene Dorival ak Wilbridge Moïse.
catastrophe là, certainement, il y a un monde qui va le payer. C'est bien sûr la population, il va continuer à payer. Mais le gouvernement, tout, en termes de recettes, il y a une incidence vraiment négative sur recettes. Imaginons qu'on ces entreprises qui sont obligées aujourd'hui à fermer les portes. Ça veut dire en termes clairs. Ça veut dire en termes de finances publiques, mais le gouvernement, par cas, percevant, c'est une taxe indirecte, particulièrement TCA. Et droit d'assise, parce que les entreprises n'existent pas. Si les entreprises n'existent pas, qu'à taxer. Donc c'est le premier effet négatif sur les rentrées fiscales. C'est peut-être ça déjà, le gouvernement va retourner, dit parlement, tourner le budget à Bali, parce qu'il va être obligé de faire des révisions budgétaires, parce qu'anticipation au secteur pas plat. Mais là, c'est une dimension question, et l'autre dimension, beaucoup, encore beaucoup plus grave pour la finance publique. Pas oublier qu'en 2004, ça t'est passé déjà. Mais bien, ils ont été obligés, les commerçants et victimes, les franchises. Ils ont exonéré de taxes d'impôts, ils ont même eu subventions. Mais à partir des maigres recettes de l'État, non seulement le gouvernement parle peut-être probablement de certains secteurs de subventions, mais gros gros entrepreneurs perdent un paquet de bagages. Mais ils n'ont pas obligé, non seulement des crédits d'impôt, mais il n'y a pas des exonérations fiscales. Donc tout ça, ça arrive en termes clair, puis en termes de recettes, le cet état va le baisser. Vous comprenez? Donc sans compter qu'il y a un bon monde qui perd du emploi. Les gens qui perdent du emploi, ça n'a pas de travail, mais vous n'avez pas faire déclaration définitive d'impôt. Au titre de l'impôt sur le revenu, déjà, il va rentrer moins l'argent parce que vous perdez du job. Il évalue déjà, une première évaluation commence à sortir. Il évalue à peu près à 3 000 à 4 000 Haïtiens qui perdent du emploi, soit direct, soit indirect. Toujours même dossier ça, président association économiste haïtien Eddy Labossière recommandé gouvernement en place là fait inventaire pour identifier, encadrer et puis subventionner victimes dernier événement yo. Eddy Labossière souhaité moun ki perdi business yo dans zak krasé brisé week-end passé a joine exonération fiscale pour recamper business yo. Toujours dans micro Darlene Dorival ak Moïse Wilbridge. Nous avons pour eux souhaité que vous fassiez un inventaire exhaustif de monde qui perd du bagage. Et Jean Moderne, on m'a regardé le président rencontré, mais c'est un homme d'affaires que j'ai rencontré. Donc le monde, certainement, va recapitaliser. Comme dans le passé, comme en 2004, sûrement le gouvernement va le bailler des subventions ou encore et des exonérations fiscales. Donc j'espère que le gouvernement. L'enquête préalable a fait pour une quantité de pertes bien, le gouvernement effectivement va permettre de recapitaliser, on peut permettre des facilités de crédit parce qu'il va bien qu'on ne peut pas côté de l'argent à la banque. Donc aider, quel soit le monde qui fait business en Haïti, côté de l'argent crédit, si vous n'avez pas de contact, si vous n'avez pas de relation, pas de ça ne devrait pas. En République dominicaine, il n'y a pas comme ça. Il y a une banque de banque de population, il y a un fonds d'investissement. Tout dominicain qui a un projet valable, il y a l'argent prêté. Je dis à ce moment-là, j'ai besoin de prêter pour monter un studio de télévision, etc. On pas besoin de venir. Et mon pays, comme ça, va pas marcher. C'est une bachita autour d'une table pour me poser des problèmes de fonds. Le problème de fonds qui est dans le pays, c'est trop inégalité, trop misère. Merci Darlene ak Moïse. Député circonscription Mirbalea Abel Décolline questionné absence paquet nan moment zak violence pendant le mandat pour traitement dossier moun yo arrêté yo fait nan respect la loi. Nous invitons suivre un extrait dans micro Fednia confident ak Moïse Ulbuch. Nous t'es condamné et nous condamné avec la dernière rigueur ça qui passé dans pays en termes de crasé brisé. Mais tout nous apprendre, étendait avec la plus grande stupéfaction une conférence de presse que le commissaire du gouvernement, M. Oknam Klamé Damehus, li baille la veille pour que li annonce que l'action publique en mouvement et que le fait état de 64 arrestations et pour la plupart, c'est de moun que yo estimé qui te gagné de marchandises ou de matériel nan men yo qui te sorti nan cadre pillage qui te fait dans des entreprises. En cela, nous appelons mise en garde pour éviter que nous pas mettez l'huile sous du feu.
le commissaire du gouvernement, l'ILA, pour que le défende société. Et l'action de un commissaire dans le gouvernement, l'idée est faite avant, pendant et après. Bon côté PAL, député circonscription Belader la Gershon Gérard, exprimé déception face à la violence qui était éclatée dans la zone métropolitaine là, après montée prix gaz là. Député Gérard félicité Moun Belader qui pas de vle yo boule douane là. Cependant, parlementaire a dit li déplorer douane en bas mon kabrit yo boule ya. Toujours dans le micro, Fedner Confident ak Moïse Ulbuch. Attaque et incendie que post-contrôle la douane yo subi et nous avons constaté yo incendié et douane en bas mon kabrit et nous profiter pour nous féliciter Moun Belader qui était yo même décidé pour te même dormi dans bureau douane ça pour te protéger parce qu'on est ça qui gagne c'est pour yo lié et côté yo incendié douane en bas mon kabrit nous constaté attaque qui fait sous douane malpasse et pillage qui fait tout. C'est à partir de injustice que nous avons dénoncé que si importateur était toujours subi en bas main certains agents douaniers. Merci confident ak Moïse. Qui est une institution qui a bénéficié prime assurance? Qui est un incident présenté risque? Fritz de Catalogne, un expert dans affaires assurance, a bail quelques explications sur comment question assurance la traité. Namiko Louinel Jean-Louis ak Hervé Pierre. Il y a des dégâts commettent. Des dégâts ça sont bail qui planifié, sont bail qui organisé, sont bail qui structuré et sont bail qui réalisé et sont bail qui des succès dans des dégâts faire. OK? Donc pas de risque là-dedans. Mais vous faites ça au fer, vous tout bagage, bagage assuré, un bagage qui pas gain risque là. Risque, faut pas une possibilité que le cas arrive, faut une possibilité que le pas arrive. Ça sont bagage bien organisé, bien planifié, bien fait, son manœuvre faut du lot pour atteindre un coup. Premier bagage, bon mettez d'accord. Vous pas assuré comme ça. Ce bagage au café, le cas font bagage qui aurait des assistances qui pas gain pour assurer. C'est le dégât ou bien malheur arrive, maintenant par charité, par bienveillance, vini, m'assiste, pas obligation, non? M'assiste, m'charité, on bagaille. Donc, il faut mettre d'accord, assurer, rien pour voir ça qui se passe là. Mon compagnon d'assurance qui dit où, ça qui passe là, vandalisme, là, ok? Que son huissier et que l'assuré. Donc, quel pays du monde, depuis le monde est monde, ça, mais la guette assurée, tout. C'est pas là où on bagaille. C'est causalité on va pour eux. Il y a des gars faits par la nature. Bon. Je dis une très bonne mentale, c'est pas un agissement humain, c'est bon bah calcul, etc. Ok. Yon lot bo Fritz de Catalogne explique gen yon problème loi dans le pays d'Haïti pour pi bien gérer question assurance lan. D'après spécialiste la, toute compagnie assurance yo gen spécialité pa yo. Toujours dans micro, Jonel Jean-Louis ak Hervé Pierre. En Haïti, nous avons un problème de loi. Nous légiférer sous effet, nous pas légiférer sous cause. Or, c'est cause qui crée effet. Parce qu'on n'a pas une législation sur l'assurance. Quand y a ces bullshit-là, tout le monde politique qui a parlé, tout le pays dans le Caraïbe, jusqu'à 2004, deux pays qui n'ont pas de législation sur l'assurance, c'est Belize et Haïti. En 2003, Belize fait une législation. C'est nous-mêmes, jusqu'à présent, pas aucune législation sur l'assurance en Haïti. On ne paye pas de crédit sur l'assurance. On assure son contrat. Au côté de 4 assurances, ça va vite. Son 4 d'entrée dans le cinéma. Son contrat, il y a des conditions particulières, conditions générales sous mention. Compagnie d'assurance, des spécialités. Une compagnie d'assurance qui a occupé pension, qui a occupé accident direct, qui a occupé tribunal monétaire. Chaque bagage a une spécificité. Pour l'assurance, il faut que risque déterminé et que les mutualiser et mettre tout pour ensemble. On ne peut pas tricher là-dedans. Assistance, c'est charité. Ouais, c'est l'église, c'est la religion qui fait charité. Ou bon dommage qui arrive, donc une bonne gratification. Mon pa, son faveur, c'est mon droit. Assurance son droit à qui qu'on gagne. Moi, non, en quatre, non. Moi, non, contrat. Donc, la police a dit le contrat, il y a des conditions générales, conditions particulières, on couvre pour tel bagage, tel bagage, tel bagage, on ne couvre pas pour tel bagage, tel bagage. Donc, de pour pas au contrat, assurance, on ne peut pas assurer.
Merci Louinel et Hervé. Nous prenons un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, nous tournons. Avant nous aller, nous rappeler que l'autorité dans le gouvernement démenti rimé, cap si qu'il est qui voulait faire quoi, prix gaz là ta monté, pas gain rien pour avec la vérité. Gouvernement mandé population a rété tête frette. Le président de la République, la Jovenel Moïse, rencontré jeudi 12 juillet dans le Palais national, magistrat commis dans la zone métropolitaine. Conjoncti à tel pays, tenant en mi-temps, je suis à parler ça. Président de l'association économiste haïtien Edina Bossière recommande au gouvernement faire inventaire pour identifier, encadrer et puis accompagner victimes derniers événements. L'économiste l'a fait connaître les conséquences crasées de l'isolé qui ont passé à prendre un pile impact négatif sur le secteur. Et bien voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Nous invitons à rester branchés à la Télévision nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.